Putain, y'a une tonne de vaisselle à faire, c'est relou cette affaire. Attends, c'est quoi ça? Fais la vaisselle abruti. Oh putain, c'est vrai que je dois la faire. Et évidemment, y'en a un paquet. Et c'est Bibi qui se tape tout. Bah Bibi, il aimerait bien se taper des putes ouvertes plutôt que des couverts. Bon, je fais quoi? Je m'en occupe? Mais je dois partir en soirée d'ici 3 quarts d'heure. Je vais vraiment tout me taper la vaisselle? Putain... Bon, réfléchissons stratégiquement. J'ai 45 minutes devant moi, sachant que je dois me préparer, rassembler 2-3 affaires, ranger vite fait la chambre, bouffer. Il me reste pas beaucoup de temps pour faire la vaisselle. Et pourtant, il y a bien 3-4 jours de vaisselle, là. Quand je peux faire alors? Me décupler? Non, c'est pas possible. Arrêter le temps pour en gagner plus? Je peux pas, j'ai oublié la machine chez ma mamie. Quel con. Ou ne pas le faire? Mais je risque de signer mon arrêt de mort. Ou alors... Mais pourquoi je suis aux toilettes? Bon, en vrai, je bouffe pas, je me prépare pas, je pue du cul, mais je meurs pas. Ça me paraît une idée raisonnable. Bon, il reste combien de temps? 30 minutes? J'ai pris 15 minutes pour pisser! Oui, je pisse assis parce que j'ai un cancer de la prostate et puis vas-y, j'ai la flemme. Bon, allez, je crois en toi. En moi. En toi, en... Je peux le faire. Je suis un warrior. Je suis une winneuse. Allez, let's go! Pichu, la télé manon. Honnêtement. Et voilà l'athlète en personne, Donavant Imbruch, 17 ans, déterminé à récupérer la médaille d'or. Comment vous vous sentez pour le moment? Franchement, ça va bien. Au début, j'avais un peu peur à cause des éclaboussures de produits vaisselle. J'ai fait stratégiquement d'abord couverts, fourchettes, couteaux, c'était plus rapide. Quelles sont vos stratégies pour le moment afin d'attaquer cette deuxième partie? Il me reste encore un peu d'assiettes à faire, donc je vais faire les assiettes très rapidement. Je vais m'attaquer sur les plats, sur un peu tout. Franchement, ça va être dur, mais je garde le gros pour la fin. Et je ferai le sprint final. Est-ce que vous pensez être capable d'atteindre vos objectifs finaux dans le temps imparti? Honnêtement, ça va être compliqué, mais je pense qu'on va l'atteindre, ce record. Merci encore à tous mes fans qui m'envoient des messages de soutien. Bon, allez, je dois repartir, salut. Bon, bah j'avance plutôt bien. C'est quoi ça? Non! En réalité. De retour sur la prise d'otage qu'il a eu en centre-ville dans la mi-journée, la police est toujours plus présente sur place. Nous rappelons les faits, un jeune homme a été pris en otage par la vaisselle qu'il doit faire. Cependant, il doit partir à une soirée. Le timing est donc très compliqué. Nos reporters sont en place, ils ont interviewé la police. La tension est plus que palpable. 15h30 en centre-ville. C'est ici que le drame s'est produit, il y a maintenant 20 minutes. Le jeune homme a crié des appels à l'aide, sans réponse. La police n'a pas tardé à intervenir. Ça fait déjà 10 à 15 minutes qu'on est posté ici devant cette maison. Nous avons déjà à notre disposition 3 camions de pompiers ainsi que 3 chaînes de télévision. Certains diront que c'est ridicule, que ce sont des précautions prises en l'air. Mais je souhaite rappeler tout de même que chaque hiver, nous recevons plus de 200 appels suite à des grands repas tels des raclettes ou encore des fondus à cause de la vaisselle qui prend en otage ses propriétaires. Je souhaiterais rappeler qu'ici, nous sommes dans une
une situation parfaitement exceptionnelle car nous avons un facteur nouveau, le temps qui retient notre victime. Nous espérons de tout cœur qu'elle réussira à s'en sortir. Et pourquoi vous n'intervenez pas directement ? Il est compliqué d'intervenir dans des situations comme ça quand on commence une vaisselle et qu'on ne la finit pas. Des choses graves et terribles peuvent arriver. Des assiettes peuvent prendre 3, voire 4 mois sans être terminées. Ce qui peut provoquer des épidémies, des arrivées de bactéries, de mutants. Nous attendons plus de renforts pour réussir à sauver ce jeune homme d'une terrible destinée. En espérant que le jeune homme arrivera à finir la vaisselle avant 16 heures. Parlons cinéma maintenant, le prochain film de Yubel Neumil, Vaisselle Man, retraçant l'histoire tragique de cette jeune homme qui a été prise en otage par sa vaisselle. Ce film va bientôt sortir au cinéma. Nous avons pu avoir une interview exclusive de Plieta Gabova sur les lieux de tournage. Un film à ne surtout pas manquer. Si Bliet ni mok fok, es bovni. As bovni! Le grand réalisateur Yubel Neumil, connu pour ses films d'auteur poignants, revient avec Vaisselle Man, un thriller russe avec l'acteur biélorusse Plieta Gabova. Vous savez, ce n'est pas facile pour moi ce film. C'est la première fois que je me préparais si rapidement pour le maquillage, pour m'imprégner du personnage, parce que c'est vraiment rapide. J'ai eu 20 minutes pour me préparer. Le scénario a dû être fini il y a, je ne sais pas, il y a 25 minutes peut-être. Et je pense que c'est la meilleure performance de toute ma carrière cinématographique. J'en suis très fier. Nous sommes actuellement en train de filmer des scènes bonus pour une potentielle suite dans lequel le héros tombe en dépression parce qu'il n'a pas fini de faire la vaisselle dans le timing. Ce serait un film très dramatique et je suis fier d'en faire partie. Vive la Russie. Yes! C'est bon, vous êtes sauvés, c'est fini. Allez, c'est fini, ça n'arrivera plus. C'est fini, vous êtes...